Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog livre. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas acheté de livre, franchement ça fait depuis... Bah, ça se compte en mois et aujourd'hui je vais acheter, je dis bien acheter des livres puisque je vais dépenser les 50 € que les collègues de ma mère m'ont offert pour mon anniversaire. Nous sommes en juillet, demain nous sommes le 1er août et j'ai eu ce bon le 15 mars. Puisque mon anniversaire était le 15 mars. Je ne l'ai toujours pas dépensé parce que, ok, il y a des livres que je veux mais qui sont sortis depuis belle lurette et je me suis dit, ben, c'est quoi, j'ai envie de dépenser 50 € avec des livres que je ne connaissais pas, que j'ai envie de découvrir. Sauf que ça va être compliqué puisque ben, j'arrive pas à en trouver. Il y en a un sur les vampires que j'aimerais bien avoir. Il y a peut-être un compte, il y en a plusieurs de comptes interdits qui sont sortis, mais il y en a un qui m'intéresse particulièrement, uniquement pour la couverture, puisqu'elle sort de l'ordinaire, pardon. Elle est toute blanche alors que d'habitude c'est vraiment noir. Limite il y a quelques trucs blancs, vert ou violet, mais sans plus. Enfin bon, pour ça on verra, même si je pense pas que je vais le prendre. Et de deux, ma mère tenait à venir avec moi. On a enfin trouvé un jour pour le faire et c'est aujourd'hui. Donc là on va bientôt partir. Et voilà, j'ai dépensé mes 50 €. Je vais pouvoir prendre 3 livres du coup avec 50 €. Je pense pas que je vais faire 50 € pile, c'est impossible. Donc j'ai pris un peu d'argent poche. Dans le sac que ma Mélissa m'a donné. Donc j'ai mis un petit peu d'argent dans les pièces. Voilà, j'ai pas pris de billets. Donc je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un très bon visionnage. Il y a pas ce que je veux. Vas-y, choisis-en un pour moi. Regardez, pas mal celui-là. Ouais. Bah allez, go. Ma mère veut que... Non, je peux pas jouer. Si, t'as dit que t'aimerais que je prenne une romance d'amour. Toi, t'es encore bébé. Hein? T'es encore bébé, toi? Moi, je suis encore bébé. C'est vrai que j'ai pas de romance. Je suis rentrée et comment vous dire que c'est la dernière fois que je vais chez Cultura. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois pas que c'est un endroit
pour vendre des livres parce qu'il n'y a rien du tout. Mais il n'y a rien, il y a zéro compte interdit, il n'y a même pas le livre sur les vampires que je voulais me prendre de base. Il n'y avait vraiment rien, j'ai eu énormément de mal à trouver des livres. J'avais même pris tous ces mangas, genre tous ceux qui me manquaient. Finalement je les ai très vite reposés parce que vas-y j'avais pas envie de les prendre. C'était juste histoire de dépenser les 50€ chez Cultura parce que c'était 50€ chez Cultura et non à la Fnac Furet. Sinon j'aurais été là-bas. J'ai le ticket de caisse juste ici, j'ai pu prendre 3 livres. Et ma mère l'a pris un petit truc, vous voyez les supports pour encens, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros t'as un truc comme ça, t'as un petit trou, tu mets ta tige et puis il y a les cendres qui tombent, les trucs qui sont bons là. Ma mère l'a pris ça. Avant ça je vais vous montrer les petits trucs que ma mère et moi on a acheté parce qu'on avait fait un peu les boutiques qu'il y avait autour. Ma mère s'est acheté une pince, donc elle a coûté 3,99€ au lieu de je sais pas combien, 5,99€ je crois. Elle était en promo. Elle est trop belle. Elle me va, sauf qu'en fait j'ai beaucoup trop de cheveux, donc bah ça tient pas énormément. Et moi je me suis pris un t-shirt en XS. Il y avait d'autres beaux t-shirts mais il n'y avait pas ma taille. Je l'ai pas essayé, j'ai vu XS, de toute manière XS c'est ma taille, donc il est comme ça. C'est resserré un petit peu ici et il m'a coûté 2,99€. Je vais vous montrer les livres que j'ai pris, donc je vais commencer par celui que ma mère a choisi parce que je ne savais pas quoi prendre et je voulais vraiment prendre que de la fantasy. Donc ma mère elle a pris ce livre, Légende et Laté. C'est une romance du coup entre ces deux personnages il me semble. J'ai l'impression que c'est deux filles, une tasse de fantasy, des tranches de vie savoureuses et un zeste de romance. Donc écoutez, une romance entre des ogres et si c'est vraiment fille-fille, bah ça, je crois que ça sera mon tout premier livre FF. Donc je vous mets le petit résumé, je sais pas si vous allez le voir à l'endroit, logiquement ouais. Donc ma mère a pris celui-ci, il m'a coûté 19,95€. Ensuite, puisque bah, je ne savais pas quoi prendre, je me suis dit bah tu sais quoi, il n'y a aucun livre qui m'intéresse, que je ne connaissais pas. Enfin il y en avait certains mais c'était en saga et vas-y les sagas ça me... Ok j'en ai, ok ça m'arrive d'en acheter ou ça m'arrive qu'on m'en offre. Mais ça m'énerve un peu punaise, je dis ça mais en fait je viens de prendre une saga. La logique. Mais en gros j'ai pris les deux tomes qui me manquaient pour compléter la trilogie des peuples de l'air. J'ai le tome, je vais même pas vous montrer, je vais vous le montrer juste comme ça. Il est là. J'ai le tome 2. Je l'avais pris il y a plusieurs années, peut-être 3 ans, avec le Pass Culture. Parce que je sais pas, le titre me plaisait. Et en fait j'ai remarqué que c'était un tome 2. Donc bien évidemment je ne l'ai pas lu puisque je n'avais pas le tome 1. Mais je ne savais pas que c'était un tome puisque vous voyez c'est pas écrit tome. Il y a des moments limite tu dois deviner ou tu dois regarder sur internet pour savoir si c'est des tomes ou non. Bah je me suis dit, attends, c'est fait exprès que ça soit comme ça ou pas? La couronne. Attendez, j'ai l'impression qu'elle est mal faite. Ou alors c'est fait exprès? Non c'est fait exprès, ok. Même là c'est écrit. J'avais l'impression, c'est écrit, c'est fait. J'avais l'impression qu'il manquait du brillant, mais quand je touche, j'ai pas l'impression qu'il en manque. Enfin bref. Donc du coup, j'ai pris les deux tomes qui me manquaient pour compléter cette trilogie. Donc j'ai pris le tome 1, Le Prince Cruel. Oh, attends, ouais, c'est en français, ça va, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Voilà, donc j'ai pris le tome 1, il m'a coûté 20€. Et j'ai pris le tome 3, la couverture, c'est celle qui m'intéresse le plus. Et pareil, ça m'a coûté 20€. Donc voilà, donc ici on voit bien que c'est tome 1, tome 2 et tome 3. Du coup, donc en tout j'en ai eu pour peut-être 50€, je crois dans les 59. Parce que là il y a le truc de ma mère aussi. Voilà, bon j'en ai pas eu pour 50€ pièce, c'est pour ça que j'avais pris quelques pièces. Mais ces quelques pièces m'ont pas suffi, voilà, très bien. Et en fait, dans cette trilogie j'ai pris Le Prince Cardan. J'aimerais bien avoir celui avec les deux sœurs, je sais plus c'est quoi. Et celui que je suis sûre que j'ai montré en vidéo, c'est un truc en plus de l'histoire. Et pareil, j'aimerais bien l'avoir parce que je sens qu'en fait cette trilogie, je vais la surkiffer. Je vais les ranger hors caméra puisque bah du coup, je vais refaire tout mon côté fantasy pour les ranger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Morale de l'histoire, je n'irai plus jamais à Cultura. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.